trouvé ça vraiment génial. C'est vraiment très ludique. Oui, on a l'impression d'y être. Là, on voit vraiment de l'intérieur, donc c'est quand même c'est rigolo, quoi. Pour la communication sur un produit, ça peut être intéressant. On se promène, on voit plein de choses, ça bouge. En même temps, on a ce sentiment que les choses autour de nous ne bougent pas, alors qu'on voit plein de choses, on peut tourner la tête, on peut se rendre compte, et c'est assez impressionnant, ouais, comme sensation. On le vit vraiment, en fait. En plus, on n'a pas forcément toujours la chance de pouvoir rentrer dans des lieux comme ceux-là et puis d'avoir des points de vue, de passer sur des choses très petites, à avoir une vue globale. Donc non, c'est vraiment pertinent. Ouais. Après cette expérience-là, c'est vraiment positif. On se met vraiment à la place du produit. On voit vraiment la ligne au complet et le process de conditionnement du jus d'orange. Ce qui est vraiment appréciable, c'est surtout sur la fin, la partie texturée de l'environnement où il y a vraiment une impression de réalisme. Ça permet surtout à nos clients de découvrir en fait les lignes de production et de s'imaginer comment ils font leurs produits. Avec ça, maintenant, ils vont pouvoir visualiser et vraiment former tout le monde pour les postes. Quoi. Donc je pense qu'il y a un intérêt. C'est très intéressant pour un client qui veut découvrir un peu la ligne, savoir comment son produit va être emballé. Par exemple, moi, je travaille plus du côté formeuse, donc c'est très intéressant pour lui de savoir comment il va être formé et comment il va être livré derrière à l'encaissement. C'est surtout pour le client, c'est vraiment intéressant. Ça le permet vraiment de bien voir l'encombrement de la machine. Il peut même essayer d'aller voir un peu plus dans le détail comment fonctionnera l'encaissement. Donc ça lui permet d'avoir un meilleur ressenti sur le produit fini.